Hey, salut les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Trailmakers. Et on va découvrir le jeu. Alors j'ai joué déjà un petit peu histoire de tester. J'ai fait un peu de mode rallye. Mais aujourd'hui, on va démarrer une aventure sur le mode perdu dans l'espace, qui est une petite campagne, qui a l'air bien sympa. J'ai déjà vu un YouTuber y jouer un petit peu. Alors, je ne suis pas allé trop loin, histoire de pas trop me spoiler. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est vraiment cool, je veux tester ça. Et puis, ouais, je ne me suis pas trop spoilé, donc j'espère que je vais pas être une grosse merde. En tout cas, je compte sur vous pour me guider si jamais je suis sur le mauvais chemin. Eh ben c'est parti, on lance ça. Du coup, on est à bord d'une espèce de gros vaisseau, si j'ai bien compris. Et ce vaisseau va se crasher et il y aura plein de pièces en tout genre perdues un peu partout sur la carte. Et il va falloir qu'on se construise des véhicules petit à petit pour pouvoir aller récupérer chaque pièce qu'on aura perdue un peu partout sur la carte. Et le but, c'est de reconstruire un vaisseau pour rentrer à la maison. Voilà le fameux vaisseau. Ah, et voilà la cause. Bim! Bon, voilà, je l'expliquais, on le voit. Et toutes les pièces qui tombent un peu partout sur la carte. Alors, il y en a dans l'eau, il y en a sur des rochers, sur une île, sur... Et ça, c'est nous, j'imagine. Petite capsule de sauvetage. Et à droite, je sais pas. Ah, c'est ça, d'accord. Tout est prévu. Et nous sommes là. Alors, entrer dans le constructeur. On va déjà voir, hop. Du coup, j'ai déjà pas mal de pièces là, vu que j'ai déjà joué. J'ai déjà quelques petits véhicules, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si on peut en récupérer un. On a peut-être pas les pièces qu'il faut. On va faire un petit véhicule vite fait. Je devrais peut-être commencer par un siège. Hop. Allez, on va commencer par le siège. Hop. Je crois qu'on va faire un truc assez simple au début. Allez. Ah, allez. J'ai toujours du mal à mettre bien les trucs en face. Alors je fais. Bon, ce sera peut-être un peu large, mais c'est pas grave. Hop. Hop, comme ça. Et l'autre là. Allez, hop. Est-ce que ça peut le faire, ça? Non, la roue, elle va pas rouler dans ce sens-là. Voilà. Hop. C'est moche ce que je fais. C'est beaucoup trop large. Bon, on va partir avec ça, on verra bien. Qu'est-ce qui manque? Un moteur, ça serait pas mal. Hop, donc dans un premier temps, on peut juste mettre un tout petit moteur. Hein. Mais je pense qu'on va débloquer rapidement... d'autres choses. Alors, est-ce que c'est dans le bon sens? Ça a l'air. Hop. Et l'autre. Faut qu'on le mette là, dans l'autre sens. J'espère que j'ai bien mis ça. Hop. Allez, mets-toi
Là-dessus, voilà. Et celui-là. Normalement, c'est bon. Non, bon, ça va le faire. Hein. On part avec ça. Hop. Ouais, je pense qu'on va partir avec ça. Alors, ça tourne. Normalement, c'est bon. Ah, c'est pas très rapide. Hop, faut qu'on se rende à la plateforme. Bah oui, effectivement. The corporation will dispatch a rescue ship, but require you to leave the atmosphere of your current planet. Donc c'est ce que je disais. Your cargo can be repurposed as building blocks. Build a functional spacecraft by salvaging the scattered contents of your cargo. D'accord, d'accord. Once you have located a piece of cargo, place donc on va récupérer les pièces et les mettre en dessous de ça. Please note that not all building blocks will be suitable for the spacecraft, but they can be used for local transportation purposes. Good luck. Merci, merci. Oh bah je l'ai fait trop grand, regardez. Je passe même pas une bosse. On va changer ça. Ah c'est horrible. Ouais, on va refaire ça plus petit. Allez, hop. Allez. Et si je te mets devant le moteur? Attends, hop, on va prendre ça et direct là. Évidemment, la roue, elle a bougé. Ça va être trop large ça. Alors, faut que je fasse un truc comme ça. Et ça là. Et ça là. C'est un peu mieux. Un tout petit peu mieux. Mes roues arrière sont moins larges que les roues avant, mais c'est pas grave. On va tester ça. Hop. Déjà, on passe plus facilement la bosse. Hop. Bon bah du coup, là on a un bloc là. Hop. Ah. Faut qu'on le pousse jusque là, mais faut pas que je tourne trop. On va changer ça. Alors. Peut-être mieux comme ça au moins on a. Hop, on va remettre le moteur devant. Par contre, ce qu'on peut faire, ça va être moche, mais un truc de genre. Voir de quoi pousser. Voire même. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner. Hein. Un truc comme ça. On va tester ça comme ça. Regardez comme ça, hop. On bloque le truc. Ah ouais. C'est nickel ça. Et voilà. Ah c'est notre vaisseau ça. D'accord. 5%. Ça promet. Alors. Est-ce qu'on voit autre chose? J'en vois une là-bas, ou... On va un peu circuler. Alors, il paraît que si on écrase des animaux sur la route, on gagne des pièces. On testera. C'est cruel comme jeu. Regardez là. Il y a là, petit poulet, oiseau. Voilà. Il court vite, hein. Oui!
Effectivement, j'ai eu 10 pièces. Ah, bah oui, j'ai pas fait gaffe. On va peut-être utiliser cette fameuse cellule d'énergie. On va se remettre un moteur. On va en mettre un là derrière. Ok. On ira plus vite comme ça, normalement. Ce sera plus facile à écraser les poulets. Effectivement, c'est pas mal. Plus difficile à contrôler mon véhicule. Je sais pas si... Ouais, la réportiste... Non, non, non. Ah. Mais bon. On n'est pas mort. Bon, bah c'est tout. On abandonne le poulet. Par contre, je pense que ma répartition des poids est pas top. Oh non, qu'est-ce que c'est que cette chose? Est-ce que je peux... Ah non. Bon. Je ne sais pas ce que c'était. Grosse charnière. Bon. On va le prendre hein, de toute façon. Ouais, par contre, j'ai du mal à bien viser. Je me demande si ça sera pas mieux comme ça. Oui. Voilà. Nous avons débloqué la grosse charnière. Il y a un truc. Je sais pas ce que c'est là. On va aller voir. Ben, ah bah c'est des pièces. C'est bien aussi. Moi ça me va. Ah, il y a l'air d'avoir quelque chose là-bas. Allons voir. Alors ce qui serait bien, c'est qu'on débloque... genre un meilleur moteur ou un truc comme ça. Propulseur sous-marin. Oh là. Peut-être pas ce qu'on a besoin tout de suite, mais à mon avis, on va avoir du mal à... Oh. Ça risque d'être compliqué, je crois. On va peut-être manquer de puissance pour ramener ça. Je pense qu'on va avoir besoin de plus de puissance. Ouais, on va encore essayer, mais... Ah. Faudrait le même véhicule, mais avec un moteur plus puissant et une taille deux fois plus grosse. Non, ça va le faire. Ça va le faire, mais... Bon, je sais pas ce qu'on va en faire. Alors, on peut peut-être essayer de faire un sous-marin. Hein. Mais je galère déjà avec ma petite voiture. Bon. Bon, c'est fort, on a déjà cassé notre véhicule. Allez, on en est pas loin. Ah, je crois qu'après... Après, je vois carte. Je sais pas ce qu'on voit sur la carte. Allez, allez, allez. Allez, allez. Nickel. Regardez la carte. Ah, ben voilà, c'est bien la carte. Mais c'est inconnu, hein. C'est pas ce qu'il y a à récupérer, mais... Ben, ça, c'est pas ce qu'on vient de récupérer, là. Bon. Là, il y a pas mal de pièces. Là, il y en a, je crois qu'on va remonter par là. Allez voir ça. Ah, mais c'est pas dans les grottes, ça. Non, c'est pas dans des grottes. Je sais qu'il y a des grottes quelque part. Mais... On va remonter, on va aller voir par là-haut. Hop. Non, c'est pas ça que je dois faire. Hop, c'est ça. Voilà. On va essayer de remonter par là-bas. Bon, déjà, on est revenu. Ah, bah, là-bas, il y en a. Là-haut. Ah, mais par contre, je sais pas si on saura l'atteindre. Eh, on va se faire un petit coulé au passage. Eh, mais... Eh, bon. Alors, qu'est-ce que... Ah. Qu'est-ce que on a là? Ponton moyen. Je sais pas à quoi ça sert.
Voilà. D'accord. Reviens là, boule. C'est pas par là qu'il faut aller. Ah, quoique si. Si, ça peut. À droite ou à gauche? Alors, on va aller à droite là-bas. Voilà, voilà, voilà. Mais je sais pas à quoi ça va me servir ce truc par contre. Hein. Mais bon. On doit sûrement servir à quelque chose. Ah là. La maniabilité est pas encore top top hein, sur notre véhicule. Ah, on est pas mal là. Non, non. J'ai l'impression de jouer à Rocket League là. Oh là 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 là. Allez Dédé. Ah, c'est pas mal ça. On est pas mal, on est pas mal. Non, non, c'est raté. C'est bon. On a réussi. Allez, on va essayer de s'en faire encore un. J'aimerais bien trouver quelque chose de... d'utile. Il y a un truc jaune là-haut. On va aller voir ce qu'il y a. On va essayer de monter. Faire le tour par là. On peut monter là-haut, oui. J'ai vu quelque chose par là. Je sais pas ce que c'est. C'est des... Ah si, c'est un bloc. Je croyais que c'était juste des sous, mais... Eh ben, comme ça. On fait le fou, allez. Banzai! Ah, ça passe. Ça passe. Ça va, c'est un petit celui-là. En fait, faut peut-être que je vise les plus petits pour... Ah! Par contre, j'ai encore du mal avec... avec la maniabilité de ce véhicule. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Allez. On attrape. Et on amène. Allez. Voilà, comme ça. Non? Ouais. Pourquoi il n'a pas pris? Ah, voilà. Lampe frontale. Ça, par contre, je pense que ça va être pratique. On va... Ah, d'accord. Ça, c'est pour flotter sur l'eau. Ah, ça, oui, ça peut être intéressant. On pourra faire un petit véhicule style bateau, quoi. Par contre, la lampe frontale, je crois que ça peut être pratique. Ouais, c'est classe, ça. Pour aller dans les cavernes. Hop. Ce qu'on avait vu, une caverne, elle est où? Elle est là-bas. Ah, et puis il commence à faire nuit aussi. En même temps, pourquoi est-ce qu'il y aurait des blocs dans les cavernes? Après tout, tout est tombé du ciel. On va quand même explorer. Voilà. On a fait le tour. Ah ouais, ah ouais, mais là, je vais avoir un problème. Je vais avoir... Cellule d'énergie. Mais oui, mais après, je la mets où? Alors, faut que je mette des flotteurs. On va regarder la carte. Ah, mais je sais pas où est-ce que je pourrais amener ça. Hein. Mais ça me tend très bien d'avoir une cellule d'énergie, mais... Si je le pousse là, ça tombe dans l'eau. Je vais pas le récupérer. Si. Je sais pas quoi faire là. Je suis bloqué. J'ose pas.
Parce que si je pousse, ça va tomber dans l'eau. Après, il y a le truc de... Ah. J'ai des flotteurs, mais ça va couler ce... Bon, faut que j'essaye. Attendez, on va regarder. Alors... J'ai plein de trucs sympas en déco aussi. Enfin, j'en ai un en tout cas. Mais bon, on peut acheter des trucs hein, avec... On fera ça plus tard. Là, on va plutôt être dans le pratique. Ah, bah oui. Oui, d'accord. Ça consomme une cellule d'énergie, le truc d'eau. Bon. On va peut-être pas tenter le diable. Sinon, je sens qu'on va être coincé. Mais on sait qu'il y a ça là. Je ferai ça pour un prochain épisode. Ceux qui connaissent le jeu, n'hésitez pas à me dire si ça flotte ou pas. Parce que. Bah ouais, ça me fait peur. Alors, par où est-ce qu'on peut aller? On va essayer de s'en faire un petit dernier. Avant de se laisser là pour ce premier épisode. Ce serait bien... Oh, oh, non. 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 Je ne sais pas. C'est bon. Je me suis sauvé grâce à... au fait que je sois rentré dans le constructeur et ressorti. Ça m'a reculé de quelques centimètres. Et voilà. Alors, il y a un bloc là-bas que j'ai vu. Je crois qu'il doit être là, sur cette hauteur-là. Voilà, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Ah ben, il y a un truc là. Juste là. Piston. D'accord. Mais comment est-ce que je vais pouvoir l'avoir? Hop. Alors, on va faire un truc tout con. Hop. Hop. Ok. Et puis un autre. Essaye comme ça. Ouais. Si je casse mon véhicule, ça va pas le faire. Bon. C'est bon, ça a marché. Maintenant, faut qu'on ramène ça. Un piston. On va remodifier parce que. Hop, j'ai besoin de tout ça. Voilà. Hop là, hop. On va récupérer des sous au passage, c'est bien aussi. Hop. Aïe, aïe. On va tout casser là. Ouh, ouais, j'y suis allé un peu... en mode brutal. Est-ce qu'on peut pas... Et elle est doucement. Oh, c'est trop raide. Hein. Tout à l'heure, ça avait marché là-bas. Hein. Ah, ah, ça va le faire, ça va le faire. On va repasser par là. Ouais. Allez, notre piston. On ramène ça. Et bim!
Alors, j'ai hâte parce que normalement on doit pouvoir faire genre des avions, des hélicos. Puis ben, on l'a vu avec les flotteurs, on devrait pouvoir faire aussi un bateau. Par contre, je me demande comment est-ce qu'on peut faire un autre véhicule ou alors en faisant un nouveau plan. Mais faut que je sauvegarde celui-là. Bon, faudra que je regarde. N'hésitez pas à me mettre des conseils parce que vraiment j'explore le jeu. Je suis vraiment débutant dans le jeu donc faut que j'apprenne. N'hésitez pas ouais à me mettre des commentaires. Essayez de pas trop me spoiler quand même. mais des conseils, je suis preneur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et puis à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!